Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Prince of Persia. On est sur une suite directe. Dans la dernière vidéo, il s'était passé des choses du genre traîtrise. Et on venait d'acquérir un nouveau pouvoir. Et on est à la poursuite d'un vieux qui nous a piqué la carte et d'autres choses. Enfin, l'œil de je sais plus trop quoi. Et donc du coup... on le pourchasse. Pardon. Ombre de Simor permet de cristalliser sa position en action au cours dans une ombre avec LB. Fait brièvement sur LB une fois l'ombre déposée pour revenir à la position. Tant que l'ombre est active, l'indicateur en bas à gauche de l'écran reste affiché. LB. Pour briser l'ombre sans y revenir. Appuyez sur LB. Ça c'est pareil. Donc c'est ça. D'accord, c'est un... D'accord, c'est quoi la portée? Je regarde vite fait en bas à gauche. Et le temps, il n'y a pas l'air d'avoir de temps en fait. D'accord. Si j'appuie et je rappuie, je reviens. Si j'appuie et je reste appuyé, le truc s'enlève. Ok. Nouvelle mécanique. Par contre, le vieux était passé par là. Si je dis pas de bêtises. Donc là, si je viens d'avoir le pouvoir... Non, ça a pas l'air, y a pas l'air d'avoir de... Revenir en arrière. Hein. Tu sais, tu n'es pas le seul à recevoir les pouvoirs du Simorgue. Tu as l'air plus fort, mais pas encore assez pour sauver ton ami. Sauver mon ami? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, alors maintenant tu as du temps pour moi. Est-ce que tu es assez courageux et ingénieux pour ça? Quelque part dans le passé, Hassan est toujours vivant. Attends, s'il y a un moyen de le sauver, dis-le-moi, je ferai ce qu'il faut. Bon, d'accord, je vais te le dire. Mais tu vas devoir rencontrer l'âme la plus sombre. Une âme si sombre, si dangereuse, adoratrice du chaos. Et comment je peux la trouver sans mon œil? Quel œil? Tu en as déjà deux, non? Mon orbe, le prisme, l'espèce d'œil que tu m'as volé. Ah, cet œil. Mais tu l'as toujours eu. Hein? Je vais t'indiquer où vit cette âme. Pardon, j'appuie trop vite. Ok, donc le gouffre des sables sans fin. Trouver un moyen d'y aller. Ouais.
Trouver un moyen d'y aller, trouver un moyen d'y aller. Par ici, j'ai l'impression. Tu la trouveras au gouffre des sables sans fin. Tu devras faire preuve de courage et d'ingéniosité pour y arriver. On recharge les popos. Oh là là. Bref, ici j'en ai pas besoin. Ah d'accord, ouais. Je vois ce qu'il veut. Débilos. Ma faute, gouré de boutons. Ok, ça passe à travers les trucs. Bon à savoir. Un chemin qui descendait avec des rouleaux. Je sais plus où il était. Là, je crois. Ne fais pas un pas de plus, Sargon. Est-ce que tu nous as trahis? De quoi tu parles? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as tué le prince Hassan? Quoi? Non! C'est Varam qui l'a tué. Neith, je ne t'ai jamais menti. Où est Anahita? Je ne sais pas, Neith. Je n'ai pas tué Hassan. Je sais que tu peux pas mentir quand t'es en colère, mais Varam nous a raconté une histoire différente. Le prince Hassan est mort. Sargon l'a tué. Wow. Il en a le gamin. Varam, ça n'a aucun sens. J'ai du mal à le croire, moi aussi. Où est Sargon maintenant? Il a fui avec Anahita. Il a rejoint le camp de sa préceptrice. Sans le prince, la Perse est menacée. S'il y a quelqu'un pour gouverner, c'est toi, Varam. Et la reine Tomyris. Famine, sécheresse, le peuple qui souffre, les attaques des Kushan. Elle a eu 30 ans pour faire ses preuves. Je ne suis pas grand-chose sans vous. Mais ensemble, nous pouvons restaurer la Perse. Mon arc est le tien, Varam. Ouais, ouais, la Perse, les gens. Et le gamin, qu'est-ce qu'on en fait? Ça me fait de la peine de le dire. Mais Sargon ne doit pas s'interposer. Varam, qu'est-ce que t'es en train de dire? Nous devons arrêter Sargon et Anahita. Par tous les moyens nécessaires. Bon, elle, ça va devenir un ennemi, hein. Et vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord ou pas d'accord, il est temps de lui border les voiles une fois pour toutes. Trouvez-les. Et bien sûr, tout le monde l'a cru. Sauf moi. Et Artaban? Il a toujours eu confiance en toi. Tu ne peux pas rester ici. Rajan est sur nos traces, je le sens. Alors, c'est la fin des immortels. On se traque les uns les autres maintenant. Rien n'est joué. Restons concentrés. Alors, j'ai eu le petit raccourci. Ok. Qu'est-ce que c'est ça?
quoi par là? Il y a l'ascenseur. Moi je suis pour aller là. Comme ça et je descends. Salut Sargon. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. Hop, on achète la carte. Ok. Ok, 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 ok. Je vois à peu près, faut, de toute façon faut que je remonte, donc on va aller par là. Ah merde! Mercredi, pardon. Lui parler. Les ténèbres nous observent. Dans ce cas, restons sur nos gardes. Ah ok. C'est juste... Zut. Ok, bon, tout ça pour une pièce, enfin, si c'était, je sais plus c'était quoi, mais c'était ça. C'était une pièce. Alors, et ça je dirais pas que c'est un raccourci, mais je veux aller en bas.
Parce que je veux voir ce qu'il y a en bas. Voilà, j'ai refait n'importe quoi. Alors, c'est ça que je voulais faire. Hop, une jarre de... Non, j'irai... C'est pas mon objectif, j'irai plus tard, on va dire. Bon, là on va se promener. Il faut que j'aille jusque... Stage des égouts, c'est toujours dégueulasse, hein. C'est ça que je voulais aller voir. Ok. D'accord. Je viens de découvrir un nouveau lieu, les catacombes. Qui n'est pas les égouts, ou je sais plus comment ils appelaient ça. Histoire de le sauvegarder, on va aller prendre l'arbre. L'arbre est là. Tiens, un voyageur qui semble connaître sa voie, mais qui s'en écarte toujours. Si tu veux, je peux t'illuminer de ma sagesse et accessoirement éclairer ton chemin dans les profondeurs du mont Kaf. Ça se refuse pas. Merci, l'ami. Pardon. L'obscurité ne me fait pas peur. Je vais mettre la super 2 pour histoire. Histoire 2. Comme promis, je viens t'éclairer. Ok, d'accord, je viendrai plus tard. L'éclair ne peut pas éclairer plus loin que là où tout commence. Je sais pas si c'est un raccourci. Mais je me dis que faire le tour, c'est pas déconnant, quoi, non? Bon, allez, on va le faire. Au revoir, Sargon. On y va. Comme promis, je viens t'éclairer. Ok, nouvelle créature. Nouvelle créature dégueulasse. En même temps, j'ai envie de dire, plus on s'enfonce, plus...
En tout... Ah, zut, il y avait un truc ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pas... J'ai pas rencontré le... Le sanglier, il devait être ici ou... Un truc comme ça. Il y a un truc ici. Un diadème. Mort. Non. Attends. Alors, d'une, j'avais pas fait gaffe. Et de deux, je me suis mis trop près. Comme promis, je viens t'éclairer. Ah, je peux pas y aller. Ok. Oh là là, il m'a possédé. Vous avez vu la barre qu'il enlève? Et je suis voué à mourir en fait. Ou faut que je me régénère sur un... Ça m'énerve, pardon, mais là... Et puis le truc il va pas vite, ça me saoule ça. On va passer par en haut, mais mon but c'est d'aller là-bas. Je viens t'éclairer.
bouche. Elles m'ont bien défoncé. Ah, il y a un arbre. J'ai trouvé l'arbre, ça fait plaisir. Oh, je trouve un téléporteur. Ça fait encore plus plaisir. Regarde, je l'active. Hein. Je suis tombé. Comment on fait pour passer par là? Passer par là? Non. C'est cool, sur notre balade on trouve des choses. Augmente légèrement la progression de la jauge de Datra pour chaque attaque portée. Ouais, ça monte ma vie plus. Enfin ma super. Dis donc. On va regarder ici. Salut Sargon. Ah, c'est elle, je croyais qu'il y avait un... Ah bah. Prête-moi ton œil du vagabond. On achète la carte. Avec plaisir.
Ok. Bon, là, je peux y aller avec l'ascenseur. Est-ce que j'ai loupé? Ah, en fait, il faut que je monte là, tac, 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 pour... merde. Enfin, zut. Enfin, j'ai pas réussi à monter de l'autre côté, je sais pas comment... Ah. Ici, il y a un truc. Et puis après, c'est la suite. Donc, ouais. Attends, tu voulais pas parler ? Il fait un froid inquiétant. Les fondations du mont Kaf ont été creusées à la base des montagnes. Kaeva, la forgeronne, perçoit le moindre tremblement. Elle dit que le mal se presse sur d'anciennes lignes de faille. Espérons qu'il ne s'en échappe pas. Ok. On va monter. Ah! Ah! Petit souci, je peux pas remonter. Si je veux remonter. Faut que je remonte comme ça. Je viens t'éclairer. Ah non. Ils m'ont gardé... Ah si, si c'est bon, j'ai gardé la carte. Ok. En dessous, j'ai pas été chercher. Ça paraît bizarre là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, par contre, je peux pas monter là. Ça, c'est gênant, ça. C'est gênant. Voilà. On va arrêter de me prendre la tête, hein. Par contre, là, je serais bien monté, mais je peux pas. Par contre, là c'est le chemin. D'accord, c'est le chemin que j'avais vu. Avec, bah forcément, je l'ai senti. Un crabe ? Ça, j'aime pas ça. Voilà, j'avais dit que si j'aimais pas ça. Yeah.
trop pressé. Je l'ai eu. Les ennemis vaincus génèrent une petite explosion qui inflige des dégâts légers. Ouais. J'ai envie de dire, ça c'est classique. Dégueulasse, c'est des pustules, des machins. Par contre, il y a un arbre. La lumière ne peut pas éclairer plus loin que là où tout commence. Au revoir, Sargon. Bien joué. Tu as trouvé un autre accès vers les profondeurs. Je t'accompagnerai si tu oses revenir. Alors, j'ai eu deux amulettes. Légèrement le... Hein, c'est du 2. On va rester comme on est pour l'instant. Ça fait le café, on va dire. Par contre... Ok. Okay. Aïe. Le joli piège. Ok, donc là, je vais devoir trouver comment l'activer. Oh joli! Je suis un gros nul. Comme ça.
Ok, je me suis dit, tiens, ça fait quoi ça? C'est un piège. C'est pas mal. Ça devient pas mal. Ok. Je dis encore ok, comme quoi j'ai compris le truc. J'ai compris, mais... pas assez réactif. J'ai été trop vite. J'ai récupéré. Alors. Voilà. Et on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Ça a été un peu technique et un peu tendu, mais je me suis perdu, mais finalement j'arrive toujours à aller où je veux. Enfin, sauf que je suis là. Et que... ah bah ça va. Et que en fait je voulais aller là, mais finalement au lieu de faire tout le tour, j'ai traversé ça. C'est bien aussi. Par contre, il faut que je descende. Et ça... ah, c'est pas ici. Bah, et ça, ce sera pour une prochaine fois. Sur ce, je vous dis... prenez soin de vous. Et à ciao, les amis.